Charlène, Annabelle, Élise, Cindy. J'aime les soirées filles, j'aime me retrouver entre copines. La bouffe, l'alcool et un bon film. Des beaux garçons et fou rire et puis des filles. Une bonne ambiance et de quoi faire des trucs de filles, un petit peu de sex toys et puis voilà. En fait, j'aurais baisé une limace sous anesthésie générale, c'était un peu pareil. Le prends pas pour toi, hein. Connard. Bref, je suis nulle. Je vais devenir le meilleur coup de Paris, Ben. Intramuros ou... Île-de-France, même. Pousse jusqu'à Montargis. Ah, tu vas à Montargis? C'est formidable. Je crois que ça va être du bon film. Ça, c'est cru, c'est vrai, mais ça nous plaît. On sait qu'on va bien rigoler. Le thème est assez sympa, parce que c'est sur les, tout ce qui est performance sexuelle, tout ça, et c'est un peu nos sujets en ce moment. Après, on se dit, bah pourquoi pas nous? S'il vous plaît. À l'époque, on voit que ça dépendait sur le plan sexuel. De nombreux plus, vous avez à avoir une fille, et pas forcément un peu. Le sexe pour les tocards qui est, je dirais, la base. First in bed. Je vous préviens, c'est très technique. C'est un film pétillant, où j'ai beaucoup rigolé, très léger, mais en même temps un sujet qui nous intéresse toutes. Oui, super marrant, bien fait, génial. Un film de nana, quoi. Ah, l'actrice vraiment super aussi, très bon choix. Un mec, c'est à toi de le regarder. Bien lubrique et de penser au cul. Chaque particule de ton corps doit penser cul. Ouais, ouais, non. cul. Quelque part, on se retrouve un petit peu de temps en temps. Parce qu'en quelque part, on se dit, nous, on pourrait faire pareil. Avec cette souci de performance. Buvez ça d'un trait avant l'acte. Vous allez vivre un moment merveilleux. Du chaud. Est-ce que c'est mal? Le mystère du sachet, on veut savoir ce qu'il y avait dedans. On va acheter le sachet magique et puis on verra si ça marche. Eh, je viens de voir l'escorte, là. Je pense qu'elle fait ça pour payer ses études. Non, mais, tu sais que les mecs, ils doivent brûler des cierges pour qu'elle redouble. Hein,